Alors, on a inauguré l'espace de la Maison Prunelle. C'est de la rénovation qu'on va faire sur les quartiers de Butor, bas de la rue Maréchal Leclerc et Vauban. On rénove tout le quartier. Bien sûr, les bailleurs sociaux, les immeubles, les logements dits sociaux, et nous et les autres partenaires, l'extérieur, pour faire des lieux de vie agréables où beaucoup d'endroits sont détériorés, où nous allons mettre des jardins, nous allons revoir comment circuler les rues, refaire du TCSP, apaiser tout cela, donc de l'économie également, des boutiques de proximité. Quand je dis boutique, c'est tout, hein, de la vente, que ce soit le boucher, le charcutier, mais aussi de la vente de vêtements, de chaussures, voilà, reprendre le quartier. Nous allons refaire aussi l'école Bouvet, très vieille école. Nous allons améliorer l'école maternelle Vauban et nous allons réhabiliter la piscine du Butor également, très vieille piscine. Nous allons réhabiliter tout ce quartier. C'est 5500 personnes qui sont concernées par les travaux qui vont être faits, 1000 personnes directement, soit par de la réhabilitation, soit de la déconstruction de logements. Donc c'est un immense chantier, c'est 140 millions d'euros qui sont co-investis avec l'État, avec l'Agence nationale de la rénovation, la région, le département, la SINOR. Alors aujourd'hui, on est sur la phase 1, c'est-à-dire une partie du projet Prunelle. Et nous sommes sur la phase où les bailleurs sociaux ont commencé à proposer à ceux qui habitaient dans certains logements d'autres logements, parce que ce sont des logements qui vont être déconstruits, parce que de très 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 mauvaise qualité, pour être reconstruits et avoir une offre qui va mieux à la dignité et c'est la lutte contre l'insalubrité des logements. On a fait des squares. On va en voir un tout à l'heure sur le bas de la rue Maréchal Leclerc. Donc nous avons lancé des consultations. On a 700 conseils citoyens, 700 citoyens qui ont été dans la co-construction de ce nouveau projet. Nous avons été labellisés éco-quartier par le national. Nous allons faire les jardins, les ruches, etc. en plein Prunelle. Donc nous avons sollicité 270 lycéens qui vont participer aussi pour construire les cheminements, les axes culturels d'animation sportive. Donc voilà, nous sommes dans le concret sur des petits espaces, là, Mérancienne, hein, pas très loin. Il y a un parc qui a été inauguré l'année dernière et nous sommes sur les premières démarches de la construction et la réhabilitation. Le Maréchal Leclerc, c'est pas le Butor, le Butor, c'est pas le Vauban, et inversement. Et chaque quartier a son identité. Et quand on refait des quartiers, nous ne voulons pas détruire cette identité. Au contraire, c'est pour ça que co-construire avec les citoyens, pour nous, c'est très important, le conseil citoyen qui est là, parce qu'ils véhiculent ce qu'étaient ces quartiers. Bouvet, ça a toujours été un quartier très économique. Il y avait des beaux restaurants, il y avait des magasins, il y avait des boutiques. Moi, j'allais à l'école Bouvet quand j'étais petite, donc je me rappelle très bien ça. Il y avait des bidonvilles aussi. Et donc, tous ces citoyens vont nous raconter. Donc, on a un aspect aussi historique et mémoire. Les photos que vous avez vues dans l'espace Prunelle, les dessins avec les enfants. Donc, on a la transmission aussi pour que ce ne soit pas des quartiers hors sol qui apparaissent demain. Les gens vont dire, mais c'est quoi, ça ne nous ressemble pas. Et ça va être des quartiers qui vont être modernes, mais qui vont avoir leur forte identité également. Elle qui est lancée sous la responsabilité des bailleurs sociaux. Il y a un certain nombre d'immeubles qui seront 250 appartements qui vont être déconstruits. Et on aura entre plus de 700 et plus de 600 qui vont rester et qui vont être réhabilités. Donc la grande majorité de Prunelle, ça n'est pas de la déconstruction, loin s'en faut, c'est de la réhabilitation et de l'amélioration. Alors, c'est très dense. 70% de tout ce quartier, on le voit, c'est dense, il y a du bruit, les immeubles sont les uns sur les autres. Il faut des espaces de respiration et il faut enlever très certainement les immeubles qui sont les plus détériorés et qui, selon
les bailleurs sociaux ne peuvent plus faire l'objet de réhabilitation digne pour avoir des choses très concrètes et qui restent pendant 20 ans, 30 ans. On ne fait pas de la réhabilitation tous les 10 ans, tous les ans. C'est lourd pour les gens qui y habitent parce qu'on le fait en milieu habité. Donc il faut le faire sur des appartements qui peuvent tenir 50 ans ou 30 ans après l'intervention technique. Donc voilà, pour vous dire que ces 250, plus de 600 vont être réhabilités, plus de 700 vont être améliorés. Donc on est sur une grande majorité de logements qui vont être maintenus. Alors, quand on est là-dessus, pour ceux qui partent, remontons les informations dans la commission de relogement. Nous sommes avec les représentants, vous l'avez vu, Madame Murat, du préfet, de la DEAL, etc. Nous partageons aussi avec ceux qui ont les responsabilités, comme nous, pour faire remonter aux propriétaires des bâtiments, qui sont les bailleurs sociaux. Nous, notre cœur de là, c'est le travail que nous faisons, c'est le travail que nous allons continuer à faire. Et quand ça ne va pas bien, nous, on dit les choses aussi. Hein. Nous, on dit au bailleur social, ça, c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Quand c'est bon, on dit, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va travailler.